ce but ne m'a pas forcément fait penser à changer les plans. On était bien. Et ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est qu'il fallait qu'on continue à jouer, il fallait qu'on continue à les faire courir. Parce qu'avec cette chaleur, après 7 matchs, c'était le 7e match, en peu de temps, je savais qu'on allait les user physiquement et qu'on allait avoir des espaces. Donc on est resté patient, on est resté tranquille et on a été récompensé. Justement, c'était quoi le discours à la mi-temps dans les vestiaires pour mobiliser l'équipe? Non, sincèrement, j'ai félicité les joueurs pour leur première mi-temps parce que on était au-dessus, on était supérieur au Nigeria. On avait le ballon, on faisait bien tourner, on se procurait des occasions, des points chauds. Il manquait qu'un peu plus d'efficacité, un peu plus de monde devant le but. Quand on mettait des centres, il n'y avait pas assez de monde. Mais comme j'ai dit, les gars, vous faites une bonne première mi-temps, vous les faites courir, eux, ils se fatiguent. Si on continue comme ça en deuxième mi-temps, ils ne peuvent pas tenir. Ça fait c'est le 7e match, avec la chaleur, il fait très très chaud, il fait lourd. Donc je leur ai dit, soyez patients, continuez à les faire courir et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Bravo coach, bravo champion. Les autres, en raison de ces petits bobos, il est rentré lors de la rencontre face au Sénégal. C'est quoi l'impact d'un joueur comme Sébastien Haller dans cette sélection des éléphants? Je pense que l'impact, c'est déjà le respect que les adversaires peuvent avoir quand ils sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'il nous fait un peu, Sébastien Haller peut nous faire penser à nous aussi même côté nigérian. C'est-à-dire que quand il est sur le terrain, ça crée un respect pour les adversaires et puis ça crée des petites inquiétudes. Et ça fait libérer des espaces pour les coéquipiers. Et puis il y a une qualité indéniable d'Haller, c'est son jeu de taille, son jeu de tête, son jeu. Il se nomme Super Dice. Et attention! Il a déjà mis les éléphants en difficulté. Mais cette fois, c'est un autre match. Celui qui intronise le roi de l'Afrique. Finale de la CAN Total Energy 2020. De la belle fraternité. Et voilà la patrie de la jeune fraternité, l'une des phrases fortes de la Guyanaise, l'hymne national de la. Commando. Moi ici, le sourire, la joie des supporters ivoiriens.
c'est mérité pour... Donc vraiment, je suis content pour le pays d'avoir su organiser le thème comme ça. La première. Ça marche. Mustapha Kessos, Le Monde. Ça fait plusieurs matchs, j'arrête pas de vous interroger sur le côté rationnel de votre parcours, mais permettez-moi, et je m'excuse du jeu de mots, mais là, ce que vous vivez, c'est un vrai conte de faille, là. C'est conte de faille. C'est plus qu'un conte de faille, franchement, quoi. Tu vois un peu. J'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, le moment où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On était miraculés, on a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Prochaine question. Bonsoir coach. Déjà François, vous dites du journal Le Goleador. Tout à l'heure vous parliez, vous disiez que c'est plus qu'un conte de fées. J'aimerais vous demander, la Côte d'Ivoire organise la CAN, ça fait 40 ans. Aujourd'hui sa première CAN. Vous avez aujourd'hui écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football ivoirien à 40 ans. Quel est le sentiment que vous avez? J'arrive même pas à mesurer ma joie, franchement, je suis. C'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je l'ai pas fait, j'ai pas su le faire. Et là j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur. Et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, bizarres, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi parce que c'est aussi sa victoire. Et prendre l'équipe alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc, ça a été un anniversaire particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième chance. On l'a saisie à fond, on a joué notre coup à fond, et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. The lady. Avec Christelle Kouassi, à Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir, coach, champion d'Afrique. Je suis juste là en face. Félicitations, coach. J'aimerais juste savoir, on est mené, je dis un parce que je le fonds à l'équipe nationale, bien qu'étant journaliste, mené 1-0 à la mi-temps, la première période. Qu'est-ce que vous dites aux vestiaires, aux éléphants? Parce que revenu juste 10 minutes après l'égalisation et s'ensuit quelques instants avant le coup de sifflet final, là, le but qui justement envoie la troisième étoile de la Côte d'Ivoire. Quels sont les mots que vous avez donnés dans les vestiaires à vos poulets? À la mi-temps, on a demandé aux joueurs de continuer sur ce qu'ils faisaient parce que j'ai trouvé qu'on était bien. On est bien rentré dans le match, on avait la maîtrise sur le ballon, on s'est créé des opportunités. On a encaissé un but un peu contre le cours du jeu, hein, sur ce corner repris en deux temps par Trosteco. Mais à la mi-temps, on leur a demandé de continuer à jouer, de continuer à les faire courir. C'était le 7e match aujourd'hui, il faisait chaud. Je les ai sentis un peu émoussés aussi, les Nigérians, sur ce type de match. Je crois qu'ils avaient du mal à enchaîner, ils avaient moins de calme que sur le match contre le match de poule qu'on a joué contre eux. Donc on a demandé à nos joueurs de continuer à insister, de continuer à faire courir le ballon, de les épuiser au maximum, parce qu'on savait que si on les épuisait, tôt ou tard, hein, ils allaient laisser des espaces qu'on allait pouvoir utiliser. Prochaine ici. Bonjour Mert. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez fait une entrée fracassante dans la carrière d'entraîneur, vous êtes champion en 4 matchs. L'entraîneur Pesero a souligné que votre équipe a mieux géré la pression que la sienne. Et je voulais vous demander comment vous aviez réussi ce truc-là, parce que j'avais cru vous sentir un petit peu nerveux hier en conférence de presse, mais visiblement je me suis trompé. Est-ce que comment vous avez transmis un peu de calme à vos joueurs pour qu'ils ne craquent pas sous la pression? Parce que je suis calme de nature en fait. Je suis très calme de nature, je suis discret, je suis calme. Donc non, hier j'étais peut-être fatigué, mais pas spécialement nerveux. Et on a aussi, il faut souligner, on a aussi des joueurs d'expérience, hein, des joueurs comme Max Gadel, comme Serge Aurier,
qui ont gagné la CAN déjà en 2015, qui ont énormément d'expérience. Il y a Willy Bouli aussi, même s'il était blessé ce soir malheureusement et qu'il était en tribune. Mais tous ces joueurs-là nous ont permis, nous le staff, d'apaiser et de gérer justement la pression d'une finale. Je savais que sur cet aspect-là, on allait avoir un avantage quand même sur le Nigeria, parce qu'ils avaient moins d'expérience que nous, en tout cas expérience de jouer des finales. Et quand on sait que jouer des finales, c'est des matchs particuliers, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieurs. Au fond de la salle. Bonsoir coach. Eh bien, Mathis Boué, quotidien Togo Matin du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui aviez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? Je n'ai pas du tout compris. J'aimerais savoir. La patate chaude, c'est quoi la patate chaude? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous aviez en tête? Ouais. Bah, question suivante, là, je n'ai rien compris à la question. En français, là. C'est une question qui ne veut rien dire. Je sais pas. Bref. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach.